Bonjour, police de la chasse. Bonjour. Un contrôle de permis, s'il vous plaît. Ouais. Rabolio, c'était quelqu'un qui aimait la nature sans aucun doute, qui vivait dans les bois. C'était un personnage célèbre, on est bien d'accord. Par contre, un personnage attachant, moi je dirais que plutôt c'était un loser. La fin se termine très mal pour lui. En voulant gagner un peu sa vie au détriment de la nature, il finira par tout perdre. À une époque où les gens avaient un niveau de vie assez faible et avaient besoin de rechercher des protéines, il était normal que certains cherchent à prendre dans la nature ce qu'il y avait abondamment. Et aujourd'hui, plus personne n'a besoin d'aller prélever dans la nature sa nourriture quotidienne. Et donc, on ne peut plus comprendre que les gens aillent braconner pour se nourrir eux-mêmes. Donc, l'acte de braconnage, et il en existe, a comme raison d'être non pas une ressource immédiate et indispensable, mais un revenu supplémentaire, et quand on dit revenu supplémentaire, cherche des revenus importants. En conséquence, les déprédations qu'ils peuvent commettre sur la nature, leur prélèvement, est beaucoup plus élevé que ne pouvait l'être celui d'un rabolio du passé. Vous êtes chasseur ? Non, pas vraiment. Alors pourquoi vous faites ça ? Pour l'argent. Ça rapporte ? Ouais, pas mal, ouais. À qui vous la vendez la viande ? Pour nous, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le braconnage, c'est de la délinquance. C'est de la délinquance pourquoi ? Parce que très souvent, outre l'acte lui-même, il y a derrière tout un réseau avec de la vente, du recel. C'est donc pour nous un véritable acte de délinquance. C'est un délit face à la nature. Plus de 1400 agents ont une activité essentielle sur le contre-braconnage. 1400 agents répartis sur le territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer. Ça fait donc un ratio d'environ 13 à 14 agents par département et plus de 50 000 hectares par agent. Donc la superficie à surveiller est immense, mais quoi qu'il en soit, les méthodes développées par ces agents, notamment la recherche du renseignement, permet de pallier à cet effectif réduit. Alors cette recherche de renseignement, elle se fait de différentes façons. D'abord, nous avons comme source de renseignement les chasseurs eux-mêmes,
Bien entendu, on l'a dit, ils sont là pour défendre leur bien qui est en fait le gibier et la nature. Et puis, nous avons aussi tout un réseau de gardes-chasse particuliers qui sont au plus près du terrain et qui sont des fournisseurs de renseignements importants. Eh bien, il y a eu encore un acte de braconnage. Des gens sont venus en véhicule sur tirer un chevreuil. J'ai retrouvé les trépailles dans le champ. Ils sont allés chercher le chevreuil en 4x4 dans le champ et j'ai retrouvé une douille sur le bord de la route. Et maintenant, j'attends les gardes nationaux pour qu'ils viennent constater et voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour arrêter un peu tout ça, quoi. Ben justement, les voilà. Alors tiens, là le train de voiture, ouais. La douille elle est au bord de la route, j'ai pas touché. Elle est là. Pas ramassée. Elle est là. C'est du 222. Ouais, effectivement. Et ça a été fait cette nuit tout ça. Hier il n'y avait rien. Petit calibre. Donc là cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. Oui. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, t'as rien entendu tout. Non. Ouais, bon, puis 222. Ça fait pas de bruit, c'est ouais, non, puis ça peut être une arme custom. Donc ça, c'est le train de leur voiture. Il y a des tripailles de chevreuil au bout là-bas. D'accord. Ah, donc ils ont tiré et tué. Ils ont tiré, et tué, ouais. Vidé, même sur place. C'est forcément un 4x4 là, vu la trace. Oui, oui, puis en plus, il a plu pas mal cette nuit là. Ouais, on va aller voir. J'ai vu la tournée là. Ils sont arrêtés là. Et les tripailles sont là. Donc. Ah, exact. Voilà. Paul de chevreuil, il n'y a pas à se tromper. C'est curieux qu'ils aient vidé sur place quand même. En plus, c'est instructif parce que c'est un gros chevreuil et une petite chèvre, une femelle. On travaille régulièrement avec les gardes particuliers, ce qui nous permet d'avoir des antennes un petit peu partout et d'obtenir des informations, chose qu'on ne pourrait pas avoir si on n'avait pas ce contact privilégié avec eux. Alors ces informations nous permettent déjà d'identifier correctement les problèmes de braconnage. Déjà, il y a un mois, il y a eu un coup de phare, une nuit vers 1h du matin. Il n'y a pas de coup de feu. Pas de coup de feu, rien. Juste un passage. S'il y a des habitudes de prise, aussi d'obtenir des éléments quant au véhicule utilisé, au gibier recherché, au calibre utilisé. Et effectivement, ça dégrossit énormément le travail, ce qui nous permet de cerner un petit peu mieux le problème. Alors c'est nous qui prenons essentiellement le relais quant à la partie police, donc à la partie surveillance de nuit. Il arrive quand même parfois qu'on se fasse accompagner de gardes-chasse particuliers, seulement dans un but de connaissance de terrain. Ils peuvent nous diriger facilement sur le terrain, du fait qu'ils connaissent très bien leur propriété. Par contre, s'il y a intervention, ils restent à l'écart de l'intervention pour des mesures de sécurité. Occasionnellement, même tout seul, pour affiner les données, pour la méthodologie utilisée, le jour, là, il n'y a pas le créneau horaire, ça peut être très important. Il peut volontiers prendre l'initiative de se mettre tout seul dans un coin. Il ne bouge pas, il ne fait que regarder. Et regarder, c'est ben, j'arrive à voir le véhicule, je peux peut-être relever une immatriculation et avoir là un créneau horaire. Alors là, c'est la mise en place de l'opération de police, le plus important, c'est d'avoir tous les éléments mis bout à bout. Après, c'est une histoire de temps et de patience, mais déjà avoir le véhicule, le nombre d'individus, l'arme, le maximum de paramètres, c'est le plus important. Taper un peu à la bibotte comme ça, c'est très 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 difficile. Donc beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations, bien exploitées, ça peut être beaucoup plus efficace. La définition du braconnage, elle est assez difficile parce que quand on lit un dictionnaire, on dit c'est l'acte de chasse sans autorisation ou en temps prohibé. Pour moi, je vois le braconnage plus comme quelque chose d'extrêmement en marge de l'acte de chasse, qui est l'acte de chasse lui-même qui est normalement licite, mais donc comme un prélèvement illicite dans la nature. Et quand on dit un prélèvement, ce n'est pas nécessairement que la chasse du reste, ce n'est pas nécessairement que le gibier, ça concerne aussi la pêche. Mais aujourd'hui, où un certain nombre d'espèces de flore sont protégées, ça peut être aussi des prélèvements sur la flore. Donc tout acte illicite et qui peut avoir des conséquences néfastes sur la nature. Là, ça a été arraché partout, là. Là, par ici. Là, regardez encore. Les bulbes qui sont restés. Alors, non seulement ils en emmènent, mais en plus de ça, bon, ils en laissent pas mal. Et tout le milieu est enlevé, là.
encore un autre morceau de ficelle, bah, ils ont arraché. Regardez les... Non, c'est pareil. Pour arracher les bulbes, bah, ils les prennent à poignée, de cette façon-là, et ils enlèvent tout. Voilà. Donc la période de ramassage se situe du 1er mars, suivant la saison, du 1er mars jusqu'au 30 avril. Et ensuite, donc ça s'arrête, la floraison étant passée, donc, et puis l'oignon étant plus visible par les gens qui se promènent, donc ils ne peuvent plus l'arracher. Je pense qu'à court terme, c'est une menace. C'est une menace parce que, bon, disons, cette plante, elle est piétinée, donc ils ne les ramassent pas toutes, ils ramassent les plus belles, et donc en piétinant les autres, donc ils écrasent les bulbes, et cette plante, elle se trouve menacée plus ou moins à court terme. Vous n'avez pas des informations sur la réglementation ? Non ? Nous venons de constater une infraction à la protection de la nature, à savoir le ramassage sauvage de personnages. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils en font des paquets. Voilà, un paquet. Hein. Donc ces paquets sont ramassés par ces gens-là, vendus des personnes qui en font la culture. Ils les mettent en nourrice dans leur terrain. Ils font mûrir l'oignon et quand l'oignon est mûr ensuite, eh bien, tout ça c'est revendu à des gens qui transforment les oignons pour en faire des plantes de jardin et d'agrément. Vous en ramassez beaucoup dans l'année comme ça, enfin, cette période de l'année? On fait, je sais pas, peut-être 5 kilos, quoi. Combien ? 5 kilos, là, on a ramassé un verre. Ouais. Mais dans la saison, vous en ramassez beaucoup ? Oui, on a ça, vous arrivez à en faire pas mal. Hein. Par tonne ? Oui, par tonne. Mais d'accord. On va par tonne. Bah, par tonne, si, vous en ramassez 5 kilos aujourd'hui, si vous faites ça tous les jours. Oui, une fois, au bout de 10 jours, ça vous fait au moins une tonne. Oui, mais c'est ça, 8-900 kilos, quoi. Ouais. Ça mène. Ben, oui, tous les ans, à la même époque, on rencontre ce genre de problème avec ces personnes qui sont généralement issues de la communauté des gens du voyage et qui ramassent les bulbes de personnages. C'est vrai que ça a un côté lucratif quand même relativement intéressant puisque, preuve en est, ils le vendent 3 francs le kilo et aujourd'hui, ils ont ramassé une centaine de kilos. Les bulbes de personnages sont surtout, on colonisait cette vallée de la Loire, donc généralement les alentours de Tours, Mont-Louis, Vouvray. Par contre, le phénomène a tendance à s'amplifier, notamment dans la région blésoise et orléanaise, où nous n'avions pas de problème dans les années antérieures. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent intervenir dans d'autres secteurs d'activité concernant la flore, notamment pour en zone de montagne, sur les Delvestes, les sabots de Vénus, et dans la région, sur le ramassage des jonquilles et sur le petit houx. Le braconnage le plus couramment pratiqué, c'est le braconnage de nuit des grands animaux, que ce soit cerf, biche, chevreuil ou sanglier. C'est d'abord celui-ci qui pose problème. Il se pratique aussi du reste sur le petit gibier, toujours de la même façon, de nuit, avec une voiture, deux ou trois personnes à l'intérieur de la voiture, un individu qui, avec un gros phare portatif sur le côté de la voiture, éclaire soit les champs, soit les clairières en forêt, et puis qui, dès que les animaux sont repérés, continue à éclairer les animaux, s'arrête, le véhicule s'arrête. Un des deux ou un troisième prend une carabine ou un fusil de chasse, tire sur l'animal qui sera ensuite ramassé. La mission première du poste à cheval, c'est d'assurer la sécurité sur le massif forestier de Rambouillet. Mais de cette mission, il y a plein de petites missions qui en découlent. On va avoir tout ce qui est la police de la chasse avec la lutte contre le braconnage, la police de la pêche. On va avoir tout ce qui est répression au niveau de la pollution, tout ce qui concerne en gros l'environnement. Alors c'est de la prévention avec les patrouilles à cheval, les patrouilles aussi en 4x4 la nuit. C'est avoir un maximum de renseignements. Donc les chevaux, ça nous permet d'avoir un contact avec la population très intéressant. On n'a pas le côté, je dirais, répressif de la gendarmerie. Ça permet de discuter avec la population, de prendre le temps et puis d'en tirer des renseignements. Ça va être des personnes qui ont entendu un coup de fusil à un endroit précis, des personnes qui ont vu des véhicules qui se trouvent à tel endroit, qui ne sont pas forcément autorisés à rouler sur ces chemins. Ça peut être très variable. Contrairement à l'Office de la chasse, nous, on a moyen, pour une immatriculation de véhicule, par exemple, de connaître le propriétaire de ce véhicule, ce qui est très, très intéressant. L'Office national de la chasse
nous demande, par exemple, dans le cadre de perquisition de domicile, une aide d'un OPJ, parce qu'ils ne peuvent pas faire la perquisition sans la présence d'un OPJ sur les lieux. Donc là encore, ils ont besoin de nos services. Et nous, on a aussi besoin d'eux dans la mesure où ils ont beaucoup de renseignements également. Et en travaillant en complète collaboration, on a un maximum de résultats. Nous développons des collaborations avec d'autres corps de police, notamment la Gendarmerie nationale, qui, de par son nombre, 90 000 environ à l'échelon national, nous permettent d'obtenir des renforts quand nous avons besoin d'organiser des opérations importantes, et puis aussi qui nous apportent en moyens d'investigation des éléments importants, puisque les gendarmes disposent d'officiers de police judiciaire qui ont un pouvoir d'enquête. Et donc, après l'obtention de renseignements, après des flagrants délits réalisés par nos propres agents, nous pouvons déboucher sur des enquêtes plus approfondies que nous faisons à ce moment-là en collaboration avec la Gendarmerie nationale. Très bien. Alors ? Bonjour Hubert, ça va bien ? Ça va ? Bonjour. 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 Eh bien donc, on nous a signalé donc, la présence d'un collet là, qui se trouve à 500-600 mètres d'ici, ouais. Un collet à sanglier. Donc on est allé voir, il est effectivement bien posé. Apparemment, pour le moment, il n'a pas pris. Donc c'est dans un secteur qui est très fréquenté par les sangliers. Ouais. Donc à mon avis, ça ne va pas faire très longtemps qu'il est en place, parce qu'autrement il aurait pris. Il y aura des traces de capture, là, il n'y en a pas. Ouais. Donc ça doit faire que quelques jours qu'il est là. Et... T'as vu un peu s'il y a moyen de se planquer ou quoi que ce soit. Il faut qu'on aille voir ensemble. Discrètement, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé ici. Donc, ouais. Il accède par une route là, qui se trouve à peu près un kilomètre derrière. Ouais. Donc le véhicule était vu là-bas. D'accord. Donc tu vois, en fait le collet il se trouve à une vingtaine de mètres. Là. Tu vois le grillage là ? Ouais. Il est dans le grillage. Le gars il arrive de par là. Puis donc il doit faire un passage peu discrètement, là, regarder si ça a bougé ou pas. Donc il faudra qu'on soit vigilant lors de nos surveillances. Ben, je pense qu'on pourrait se mettre dans les buissons à côté. Ouais. On verra après ça. On va déjà aller voir le collet. On va essayer de passer, faire gaffe à ne pas laisser. Bah pas laisser de traces, surtout dans les coulées. Là. Donc, c'est bon, il n'y a personne. Tu le vois ? Ah ouais, je le vois. Placé comme il est là. Il va pas tarder à prendre, à mon avis, vu la fréquentation. On devrait pas tarder à avoir un sanglier pris dans ce collet. T'as regardé un peu si on pourrait. On pourrait, ouais. Je pense qu'on pourrait se mettre dans les buissons, là, tu vois. À mon avis, il passera pas là, c'est pas possible. Il y a trop de ronces. C'est pas trop loin, en plus. T'as vu, là ? On peut se planquer derrière. Voilà, avec un petit filet de camouflage. Voilà, il faudra un filet de camouflage. On va se positionner là, à cette planque, et puis surveiller donc, du matin jusqu'au soir, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on puisse constater une infraction. On va essayer donc de faire des binômes avec la Gendarmerie nationale, ce qui nous permettra d'y être tous les jours. Donc du lever du jour au coucher du soleil. On va voir les portions de nuit, comment on peut s'organiser. Ouais. Et puis on va prendre chacun notre part, et puis comme ça, le point il sera tenu tout le temps. Voilà. C'est fréquent ici comme méthode l'utilisation du collet ? Oui, très fréquent. Oui. Bah, c'est une méthode de braconnage qui est très discrète. Il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas trop de traces laissées. Ça se passe souvent en plein milieu forestier. Et on a encore des anciens un petit peu nostalgiques de cette méthode de braconnage. La preuve, c'est qu'on en a encore aujourd'hui. Là, dans l'immédiat, on va quitter le lieu parce qu'on ne va pas rester trop longtemps ici, parce qu'on risque de se faire voir. On retourne à l'unité, on met ça en place, et puis après, les équipes viendront. Voilà. On enchaînera sur les surveillances dès demain matin. Ouais. En ce qui concerne la prévention, c'est une surveillance générale du territoire, c'est une présence permanente, c'est le fait de quadriller toutes ces zones rurales de façon à, premièrement, bien connaître le terrain, pour pouvoir identifier les zones les plus sensibles,
Mais c'est aussi être en contact avec tous les acteurs ruraux, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les chasseurs, bien évidemment, en premier lieu, et toutes les communes, les maires, et ainsi de suite, tous les habitants des zones rurales, pour avoir des renseignements d'une part, bien entendu, et leur expliquer notre action. Du reste, c'est plutôt leur expliquer notre action pour avoir des renseignements dans un deuxième temps. Aujourd'hui, il y a eu une opération de répression du braconnage et de police de la chasse qui est organisée conjointement entre la Gendarmerie nationale et l'Office national de la chasse et la faune sauvage. Donc le dispositif en fait consiste à boucler un secteur. On a donc disposé différentes équipes. On a eu la chance donc d'avoir l'hélico pour gagner du temps et être plus rapidement sur place. Donc il y a deux équipes qui ont été héliportées et déposées en un point haut du secteur. Et trois équipes qui sont en intervention, interception en bas du massif. Donc pour récupérer éventuellement les chasseurs et effectuer leur contrôle quand ils redescendent. On contrôle la bonne réalisation du plan de chasse, que ce soit sur les espèces comme le tétralyre, le chamois ou le chevreuil. Donc là, dans un premier temps, il s'agit de faire un point d'observation et de faire le point sur le territoire. Et dans un deuxième temps, c'est d'intervenir. L'équipe qui était en place très tôt nous a signalé qu'elle était intervenue sur un chamois. Il a été contrôlé et donc correctement marqué, puisqu'il y avait un dispositif de pré-marquage. Donc là, c'est un petit peu spécifique au département. Le plan de chasse, habituellement, donc, c'est un dispositif de marquage qui est apposé sur l'animal définitivement. Ici, il y a ce qu'on appelle le pré-marquage, et comme son nom l'indique, c'est un dispositif qui permet de transporter réglementairement l'animal jusqu'au point de marquage définitif. Donc c'est la difficulté en fait, d'intervention en milieu montagnard qui a justifié une partie de cette façon de faire. Et il y a quelques ACCA donc, qui sont concernés. Cette même équipe, après avoir effectué ce contrôle, nous a signalé qu'un certain nombre de coups de carabine avaient été tirés et donc sont en train de se diriger vers les points. Donc nous, on va essayer de les rejoindre pour les aider dans cette manœuvre et voir si on peut trouver ces personnes sur le terrain. Et en l'occurrence, on venait voir ce que vous aviez tiré, quoi. Voilà. Alors voilà, le dispositif de pré-marquage. Donc c'est une bande qui est numérotée et référencée. Donc le chasseur qui prélève l'animal note son nom et son prénom. La CCA, parce qu'on ne peut pas prélever n'importe où les chamois, et donc son chamois, il doit le prélever ici. Le lieu du tir, la date et l'heure du tir. Donc là, il a été contrôlé par nos collègues et donc c'est tout à fait en règle. C'est toujours un petit peu surprenant quand un garde surgit au coin d'un buisson. J'avoue que j'ai eu, même si j'étais parfaitement en règle, 3-4 palpitations. Ah, mais qu'il y ait une action de police de la chasse, je crois que ça va avec la chasse et ça va de toute façon avec toutes les activités humaines. Il y a toujours eu une police dans toutes les activités humaines. Pour le contrôle, il faut que tu leur demandes ce qu'ils foutaient sur les ouches. Parce que quand je les ai repérés au fond de... Tu sais, quand je t'ai dit qu'ils étaient au fond de la combe, là, ils étaient sur la commune des ouches. Et ils n'ont rien à y foutre. Parce que ce sont des gars de Saint-Gère ? Je pense que oui, donc il faudra contrôler leur carte et puis tu leur demandes sur la commune des ouches. Je peux voir votre carte de sociétaire, s'il vous plaît ? Vous avez la carte des ouches ? Non.
Vous connaissez la limite des communes? C'est au milieu là. Au milieu des Voraces, là-bas, de l'autre côté, l'autre côté des Voraces, ouais. Ouais. Ouais, j'étais un peu sur les Ouches tout à l'heure. Oh, ça m'étonnerait, j'étais là juste là-dessous. Ouais. Non, vous étiez là-bas, monsieur. Vous étiez là-bas. Où? Vous étiez là-bas. Là-bas, vers les Vorées. On est monté là-bas, ouais. Ah ouais, on est monté là-bas, ouais. Ouais, donc vous étiez sur les Ouches. C'est pas les Ouches là-bas. Si. J'ai encore demandé au gars là, il me dit c'est au milieu des Voraces. Alors j'étais voir la bête qu'on avait tirée si on l'avait pas blessée. D'accord. Enfin, je vous invite quand même, on va être clément, je vous invite quand même à rester respectueux des limites des territoires. Et vous savez où est les Ouches là? Oui, moi j'ai mon collègue. Ces deux personnes n'ont la possibilité de chasser que sur la commune de Saint-Gervais. Or on est à une limite qui est mitoyenne entre les Ouches et Saint-Gervais. Et donc ils étaient sur la limite, 100 mètres à l'intérieur, mais on a été, par la circonstance, clément. Sinon, c'est une infraction de chasse sur autrui. Si certains chasseurs peuvent, de temps en temps, franchir la ligne jaune, cela reste des petites déviances qui n'ont strictement rien à voir avec des prélèvements comme peuvent le faire des braconniers, avec des réseaux de revente derrière. Par ailleurs, les chasseurs sont très fréquemment les personnes qui nous demandent des actions anti-braconnage. Alors concrètement, quand vous avez cette information qui vous permet de soupçonner ou de localiser un réseau de braconniers, comment vous organisez? Ça va débuter déjà par le repérage du terrain pour voir où on va pouvoir monter une souricière et prendre en flagrant délit les braconniers en train d'opérer. Donc, imaginez une zone riche en gibier où, d'après nos informations, des braconniers ont déjà tiré des animaux. On va donc repérer les planques où nous allons pouvoir mettre les véhicules d'intervention, voir par quel endroit les gens qui rentreront dans la souricière pourraient éventuellement s'échapper et pouvoir les bloquer à cet endroit. À partir de cet instant-là, quand les braconniers sont pris dans la souricière, on ferme l'ensemble des voies de pénétration et on arrête le véhicule des braconniers au moment où ils cherchent à s'échapper. On se retrouve à ce moment-là, en général, avec des individus avec tout leur équipement à l'intérieur de la voiture, les phares portatifs, les armes, voire éventuellement le gibier qui a déjà été ramassé. À partir de cet instant-là, on a déjà un premier constat qui va nous permettre d'envoyer ces gens devant le tribunal. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que éventuellement il y a derrière tout un réseau de receleurs. Poste 1, poste de braconnage. Ici 461, nous sommes au poste à l'église. Venons d'apercevoir VL, véhicule blanc de type C15 Citroën, avec galerie sur le dessus, deux personnes à bord. Bien reçu. J'ai passé la petite lampe qui possède un petit filtre infrarouge, donc c'est pour utiliser le casque de vision nocturne pour pouvoir conduire le véhicule donc sans aucune lumière. Donc tout ce système nous permet de suivre les véhicules des braconniers sans que ceux-ci puissent nous voir. Donc c'est positionné comme ceci. Après donc il y a la mise en route et après on peut y aller. Le véhicule va rentrer dans le dispositif d'intervention. Ok, poste 1, faites pour le poste 2 pour intervention sur véhicule de voiture. Oui, bien reçu. C'est toujours des interventions à risque du fait que nous adressons toujours à des individus qui sont armés. Donc il est impératif pour tous les agents intervenants d'avoir des gilets pare-balles. Ces gilets pare-balles sont équipés de plaques LIBA pouvant arrêter tous les grands calibres. Pour l'instant, je touche du bois, nous n'avons jamais essuyé aucun coup de feu. Là, je suis en train de les suivre, là. Ils sont en train d'éclairer les peines, on va les suivre tranquillement. Et quand ils seront à bonne distance du poste d'intervention, on va allumer tous les feux pour les pousser dans la souricière. On fonce sur le véhicule.
Allez, on allume et on les pousse sur vous. Arrêtez. Police de la chasse, coupez le moteur. Main sur le pare-brise maintenant. Les deux. Une arme, côté passager. Neutralisation d'armes. Ouais. Monsieur, ne bougez pas, je vais prendre votre arme. Ok. Arme neutralisée, une cartouche percutée, chevrotine. Ok, contrôle du passager. Descendez du véhicule. C'est quoi ça, monsieur? Neutralisation d'armes. Une arme. Neutralise. Ok, arme neutralisée. Ok, ménage effectué. Évacuation vers gendarmerie. Ok. Allez, monsieur, suivez-moi. Visite de sécurité du véhicule. Ok. Sanglier, dans le coffre. Négatif, y'a rien. Ok, évacuation pour audition. Allez, suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, j'en suis. Pourquoi une coopération très forte entre l'Office national de la chasse et la gendarmerie? Déjà, il y a une mission d'appui, de sécurité que nous pouvons apporter à l'Office pour mener ses missions. L'Office, en revanche, va nous apporter une très bonne connaissance de certains massifs, de certains territoires, de certaines pratiques, de certains aussi connaissances du gibier que nous n'avons pas forcément. Donc c'est par cet échange de renseignements entre donc la gendarmerie et l'ensemble de ses effectifs sur le terrain, la technicité des agents de l'Office, que nous allons nous échanger des renseignements très intéressants pour mettre à mal donc certaines pratiques. Souvent l'Office agira comme détecteur, comme informateur sur une affaire, réalisera ses propres infractions au plan de chasse, à la sécurité, que sais-je encore. Nous, derrière, nous allons débuter une enquête judiciaire qui va nous amener à pouvoir développer d'autres infractions très intéressantes que vont être le non-respect des mesures relatives à la détention et à la réglementation des armes, qui vont être des infractions peut-être ensuite financières, des infractions relatives peut-être aussi à la sécurité des biens et des personnes. Donc une combinaison des moyens va permettre sur un fait qui au départ sera un fait de chasse, un fait de braconnage, de mener une enquête judiciaire avec des pouvoirs que l'Office n'a pas, des pouvoirs notamment de garder à vue, des pouvoirs d'investigation que l'Office n'a pas et que nous allons pouvoir donc mettre en quelque sorte à sa disposition pour environner au mieux les auteurs et les mettre, puisque c'est notre but commun, hors d'état de nuire. À partir de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. La durée de votre garde à vue ne pourra excéder 24 heures, sauf décision du procureur de la République de la prolonger d'un nouveau délai de 24 heures. Vous avez le droit de faire prévenir par téléphone un membre de votre famille. Vous avez le droit à demander à être examiné par un médecin et à vous entretenir avec un avocat dès la première heure de votre garde à vue. Le braconnage du grand gibier, la nuit en véhicule à moteur avec des armes interdites, les peines peuvent monter jusqu'à 4 mois, voire être doublées jusqu'à 8 mois au maximum de prison ferme et environ 4000 euros d'amende. Ce sont donc des délits. Cependant, à l'heure actuelle, nous jugeons que ces délits sont punis de façon parfois insuffisante et nous avons demandé à ce que la loi soit renforcée et au moment où nous parlons, cette loi est à l'étude. Et dans cette loi, nous avons demandé à ce qu'il y ait une infraction de grand braconnage qui soit punie de jusqu'à 4 ans de prison, de façon à pouvoir faire bien reconnaître que ces délits qui entraînent des trafics avec des ressources financières importantes puissent entraîner des voies d'investigation qui sont celles des investigations financières qui ensuite nous autoriseraient, grâce aux officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, à faire des enquêtes encore plus pointues que celles réalisées aujourd'hui. Ici, la chaîne.
chasse, c'est quelque chose vraiment de traditionnel, quelque chose vraiment qui est très ancré profondément au niveau de la culture. En Corse, le gibier migrateur est chassé au mois de février, au retour des flux migratoires. Et les gens n'acceptent pas les dates de fermeture de la chasse telles qu'elles sont fixées aujourd'hui et continuent sciemment à chasser. Et un PV, ça les arrête? Certainement pas. Étant donné la quantité des oiseaux qui sont tués, nous avons la certitude aujourd'hui qu'effectivement, il y a un commerce qui se fait sur ces espèces. Lors de nos contrôles, nous avons pu voir que des gens embarquaient avec des véhicules équipés de congélateurs, à l'intérieur desquels il y avait plusieurs milliers d'oiseaux, conditionnés, déjà congelés. Et ces oiseaux, bien entendu, je ne vois pas d'autre chose que la vente pour ces oiseaux, quoi. On sait que, par exemple, une grive se vend autour de 5-6 euros l'oiseau. La bécasse peut aller jusqu'à 50-60 euros pièce. Donc, il y a un attrait très particulier à venir chasser en Corse, hein, parce qu'il y a le plaisir de chasser, mais il y a également un but lucratif. Donc l'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise des surveillances sur le terrain et également des contrôles lors d'embarquement au port ou par avion. Cette année, nous avons mis des moyens importants parce qu'on a constaté qu'il y avait une dérive de plus en plus importante au sujet de ces actes de chasse et de cette commercialisation, ce qui explique l'arrivée de collègues qui viennent du continent. Et notre mission est divisée en deux parties. Une partie de contrôle et de présence sur le terrain, pour occuper le terrain, pour en prévention et également en répression. Et une autre partie de la mission consiste à, le soir, lors des embarquements sur les ferries, mais également à partir des aéroports, contrôler les véhicules et contrôler la marchandise avec les services des douanes et rechercher le gibier qui est transporté en période d'interdiction. Voilà. Oh, on nous l'a offert en partant. Là. Je suis désolé, madame. Parce qu'il est congelé. En période, ce que j'ai expliqué à votre mari, en période de fermeture de la chasse, pour l'espèce concernée, le transport est interdit. Donc obligatoirement, nous sommes obligés de saisir la... Eh oui, on ne peut pas faire autrement. Hein. Nos moyens humains ne sont pas pléthoriques. Cependant, avec une bonne organisation et avec une bonne synergie avec l'ensemble des autres corps de police, notamment la gendarmerie nationale, nous réussissons à mettre des moyens conséquents là où nous avons des problèmes importants. Donc aujourd'hui, ouverture de la chasse, à partir de 9h. Donc comme d'habitude, tous les ans en Eure-et-Loir, on va avoir beaucoup de monde. Alors pour éviter tous les problèmes qui pourrait arriver entre les chasseurs et des personnes qui viendraient de l'extérieur, on a mis en place un dispositif. Donc là, on va s'articuler sur deux secteurs, un au nord de la RN10 et le second au sud. Donc aujourd'hui, les principales infractions que nous avons amené à rencontrer sont des chasses sur autrui. Alors les chasses sur autrui, donc les agents qui seront en zone avec vous, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, connaissent bien les propriétés, voire les propriétaires. Donc on intervient, si vous voulez, pour vérifier que la personne qui chasse est bien sur un territoire où elle est autorisée. La deuxième chose, lorsqu'on a contrôlé la personne, c'est de vérifier si son permis est valable. Vous n'avez rien tué? Si, deux lièvres. D'accord. Ah si, viens là. Tu as tué quelque chose? Rien du tout, j'ai loupé. Le gibier, j'ai envoyé. Du peu d'hier. Okay. Le magasin. Ok, c'est parfait. Okay. De votre assurance, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous vérifiez là? Là, on vérifie la validité du permis de chasser. En l'occurrence, pour que la pièce soit valable, il faudra la signer, monsieur. Hein? Voilà, signez votre permis. Ah oui, je... Vérifie la position des timbres du département ainsi que la validation départementale. Donc le chasseur peut chasser en Eure-et-Loir le petit gibier ainsi que le grand gibier. Et il a, comme il se doit, son attestation d'assurance. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on contrôle des gens qui sont sur une zone à plan de chasse petit gibier au niveau perdrix grise.
et on voudrait vérifier donc que ces chasseurs aient bien marqué les animaux tués pour bien pouvoir contrôler le nombre d'oiseaux tués sur la société. Alors c'est difficile de pouvoir contrôler ? C'est très très difficile puisque les gens à la vue des gardes risquent de lâcher les perdrix dans le maïs et bon, faire qu'on fouille pour essayer de retrouver des oiseaux au cas où ce seraient des chasseurs en infraction. Bien sûr, ce sont des chasseurs en règle, il n'y a pas de problème, ils viennent avec les oiseaux marqués. Des patrouilles de gendarmerie, puisque les autres dimanches, les agents de l'office de la chasse travaillent seuls, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est l'arrivée des gens du voyage, ce sont des populations à risque, c'est plus du maintien de l'ordre lorsqu'on tombe sur des groupes de 20, 30 ou 40 chasseurs, et donc les agents de l'office ne sont pas formés pour faire du maintien de l'ordre, qui est du ressort du préfet, mais pour faire s'occuper de la police de la chasse. Ça fait déposer. C'est bon, là, là. Il doit y avoir un quatrième. Ah, où ça ? Il doit y avoir un quatrième qui est remonté par là-bas. Vous avez vu comment vous braquez du haut là-bas ? Ça fait peur, monsieur. Ah, vous avez évoqué de nous faire mourir. On est jeunes, monsieur, on a 20 ans. Qui est parti là-haut. Tu descends là, tu passes là, puis tu patrouilles. Bah, j'ai été là-haut, moi, mais j'étais bien dans le petit bois là-bas. Ouais, il va être parti par là-bas, il y a un chez vous. Bah oui, mais de chasser une heure là, et puis avoir quand même des caméras braquées sur nous, et puis tout ça. Non, mais monsieur, vous enlevez ça de nous, s'il vous plaît. C'est quand même. On n'est pas des bandits. Il n'a pas tiré le fusil ? Non. Il a tiré ? Il a déjà tiré, oui, il a 20 ans. Oui, sentez la poudre. Il n'a pas tiré celui-là ? Un fusil de 20 ans, ça sent toujours la poudre. Hein. Ouais. Non, mais vous êtes compte ? Vous cherchez quelque chose de précis, c'est pas pour nous, vous êtes tous là quand même. Non ! C'est l'ouverture de la chasse, oui. La réglementation, la plus appliquée. Vous êtes en plus, monsieur. Et comme vous chassez sur un terrain qui ne vous appartient pas sans autorisation. Oui, mais alors, c'est un truc de précis, c'est un ministre, c'est quoi ? Non. Vous avez peur, c'est la première fois qu'on chasse, on n'a jamais tiré un coup de fusil. Vous pouvez nous mettre une cible à 20 mètres si vous voulez, on peut tenter. On n'a jamais tiré un coup de fusil. Vous voyez, regardez, on est blanc, les reines. Pas de problème, monsieur. T'as rien fait de mal ? Qui t'a fait de mal ? Moi, je sais pas. Voilà. Non plus, je sais pas. À l'ouverture de chasse, qu'est-ce que t'as fait de mal ? À part chasser, peut-être. Bon, on a même pas tiré un oiseau. Au niveau de la chasse, vous avez des papiers, des permis de chasser, s'il vous plaît ? Non. J'ai pas de permis de chasser. Pour chasser, il faut avoir un permis. Monsieur, c'est la première ouverture qu'on fait de notre vie. Non, mais même pour faire une ouverture, je veux dire. Sincèrement, on croyait vraiment pas qu'il y aurait quelqu'un qui soit venu là, parce qu'on n'a pas chassé avec les chasseurs, on a vu 10 hectares de champs là. Mmh. Voilà, on fait partie du cercle. Comme ça, c'est la seule journée de repos qu'on avait aujourd'hui. Vous êtes stationné où ? On est sur le divers de Paris, monsieur. Vous êtes venu comment, ici ? On est venu comment ? Oui. Le véhicule, il est où ? On est en taxi. Taxi. Sincèrement, la police, bon, on sait comment ça se passe. Avec des armes. Et je vais vous dire, on s'est mis là à plein ventre. Franchement, on a eu peur. On s'est mis là à plein ventre. Nous aussi, on a des armes, hein, puis on n'est pas dangereux pour ça. Ah non, mais on sait bien que les voies de notre place, monsieur. Hein. S'il vous plaît, arrêtez, on vous dit de pas filmer. S'il vous plaît, filmez pas. C'est pas rigolo, maintenant, ça va ? Non, c'est pas rigolo, mais vous êtes sur autrui, messieurs. Bon, ça, c'est monsieur, on l'ignorait. Je suis le propriétaire. Voilà. Oui, mais ça, monsieur, c'est. Sincèrement. Vous ignorez, sans ignorer, monsieur. C'est la première fois de notre vie qu'on fait l'ouverture, monsieur. Sincèrement, on l'a jamais fait de notre vie. Ne filmez pas, s'il vous plaît, monsieur. Le monsieur n'a pas envie d'être filmé. Non, 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 ça ne me dérange pas. La famille qui est propriétaire de la ferme qui est au-dessus. Monsieur qui est derrière moi, qui arrive, gère la chasse. On n'est pas censé savoir. Quand on n'est pas censé savoir, on se renseigne, messieurs. C'est vrai. C'est la vérité, monsieur. Vous savez pertinemment que vous êtes toujours attentifs. Ils sont attentifs à la chose. C'est pas le contraire, monsieur. C'est vrai. Attendez, les autres années, il y en a 20 ou 30 qui sont là. Il y a le chef qui est là, avec qui je discute. Aujourd'hui, vous êtes que 3. Vous faites des conneries, les mecs. Là, on est dans le cas de figure d'une simple chasse sur autrui. Bon, les gens n'étaient pas porteurs de leur permis de chasser, puisqu'ils voulaient dissimuler leur identité, donc ils nous disaient ne pas avoir de permis de chasser. Bon, avec la pression de la gendarmerie, puisque sinon pas d'identité, on les laisse pas repartir comme ça, ils sont décidés, ils nous ont emmenés au véhicule. À leur véhicule, ils nous ont présenté des permis de chasser en règle, c'est-à-dire que ces gens-là peuvent chasser sur tout le territoire national. Le problème, c'est qu'ils prennent un permis de chasser pour chasser sur un territoire national, mais ils n'ont pas de territoire. Et ils ont du mal à comprendre que pour chasser, il faut avoir aussi un territoire. Alors bien souvent, ces gens-là viennent dans des zones comme ça, des zones en friche, et profitent de... Et bon, ils ont toujours une excuse, ils ont toujours demandé à quelqu'un qui leur a dit que c'était autorisé, ou alors il n'y avait pas de pancarte, on est rentré. Bon, moi, le contrôle s'est très bien passé, on a adressé un procès-verbal pour chasse sur autrui, on a vu le locataire de chasse qui porte plainte pour le fait de chasse sur autrui, donc c'est un procès tout à fait banal. C'est un problème d'insécurité rurale,
que l'on peut, où on peut tout à fait transposer les problématiques dont on entend parler en ce moment sur l'insécurité en zone urbaine. Le braconnage est un problème d'insécurité en zone rurale. Depuis maintenant la loi 2000 sur la chasse, la loi nous permet la saisie réelle des armes et la saisie réelle des véhicules. Saisie réelle et ensuite confiscation par décision de justice, mais nous permet de saisir réellement, immédiatement, le matériel. C'est une décision législative qui nous permet des mesures coercitives importantes face aux braconniers, ceux-ci le savent, et c'est extrêmement dissuasif. Je vais laisser à la voiture. Vous attendez, on ira. Moi, je vais laisser à la ferme. Normalement, vous devez être dans l'exercice de la chasse, d'accord, porteur de votre permis de chasser. D'accord. Donc les gens qui n'ont pas de permis, on prendra les identités et après on ira vérifier. Non, enfin contrôle comme on fait un peu partout de permis de chasser, de plan de chasse. Bah c'est bien. Vous n'avez pas marqué la tête ? Non, non. Là on n'a pas eu le temps de débarquer. Hein. Qu'est-ce que vous emmenez dans le maïs, hein, là ? On n'a pas eu le temps, ils étaient cachés. Il y en a plus de deux, de toute façon. Oui, il y en a plus de deux. Ah, ouais. Bah oui. Non, mais ils sont depuis le départ, les deux premières, donc vous avez largement le temps d'arrêter la chasse. Oui. Et celles que vous avez perdues, vous n'avez pas retrouvées, vous pouvez ramasser. Oui. Hein, donc on arrive à plus de 10. Donc le responsable de la chasse avait pour le secteur, enfin pour son territoire de chasse, deux perdrix d'attribuer. C'est 8 ou 10 perdrix qui sont retrouvés. On a vu 7 ou 8 autres perdrix tomber dans les maïs. Cette personne-là savait, dès les deux premières perdrix tuées, aurait dû arrêter la chasse, du moins la chasse à la perdrix grise. Elle continuait délibérément. Ce sont des gens, bon, pour nous, ce sont des braconniers. Et ce sont des braconniers qui font beaucoup de mal sur le territoire, puisque tout le tour, les gens appliquent un plan de gestion très strict au niveau de la perdrix. Et ces gens-là, comme vous voyez, ils arrivent pour chasser à 11h quand tous les autres ont chassé autour, ce qui fait que leur maïs servent de réserve et ils vont, puis en fin de compte, ils vont tuer les perdrix des territoires riverains. C'est un cas fréquent, ça, que vous constatez ? Non, c'est pas un cas fréquent. Heureusement, dans le département, on a la chance d'avoir quand même une très bonne gestion au niveau des responsables de chasse. Par contre, bon, ces gens-là sont des gens un petit peu qui viennent de l'extérieur et bon, qui ont plusieurs chasses dans des départements différents. Ils viennent de l'extérieur, donc ça ne les dérange pas de venir faire une journée de chasse et de piller les territoires. Vous êtes adhérent, oui ? D'accord. Avant de débuter la battue, je n'ai donné aucune instruction pour limiter le prélèvement perdrix. C'est donc volontairement que nous avons tiré et tué plus de perdrix au cours de la battue, donc 7 lors de votre arrivée. À votre vue, j'ai tenté de dissimuler 2 perdrix avec l'aide d'un rabatteur. Au cours de la battue, nous avons fait voler entre 220 et 250 perdrix, et depuis tout temps, c'est un territoire privilégié. L'attribution de 2 bracelets perdrix me paraît totalement disproportionnée. Est-ce que vous... Comparativement à la densité. Au vu de la densité existante. Au calibre 12, numéro 893 RN. On note les références de l'arme et on va en dresser une saisie. Du président de chasse ? Tout à fait, oui, le président de chasse. On considère qu'il est le responsable, c'est lui qui a organisé la chasse. Il a fait tirer à ses chasseurs des perdrix alors qu'il savait délibérément qu'il ne pouvait pas en tuer plus de 2. Il est bien entendu que les gens qui ont tué ces perdrix pourraient être verbalisés, puisqu'elles ont également commis une infraction. Mais bon, pour simplifier la procédure, on va prendre uniquement l'audition du responsable de la chasse qui sera verbalisé. L'arme sera déposée au tribunal avec la procédure. Vous serez convoqué pour le jugement. Et après, c'est le tribunal qui décidera de la suite donnée pour votre arme. Soit ils vous la restitueront, soit ils vous la confisqueront. Pas de problème. Est-ce que pour vous, tout chasseur est un braconnier potentiel ? Certainement pas. C'est pas comme ça que je vois les choses. Cependant, le braconnage sur le petit gibier est un acte qui est totalement inadmissible, incompréhensible par les populations rurales et par les chasseurs. Les chasseurs qui font des efforts importants pour que les espèces soient nombreuses et en bonne santé, et par les populations rurales qui n'admettent mal de voir des délits se faire à côté de chez eux, alors que, encore une fois, ils préservent cette nature.
On a un exemple très net au travers d'une espèce comme le grand tétras, qui aujourd'hui a quand même des effectifs fragilisés par du reste des éléments tout à fait extérieurs à tout prélèvement. Ce sont des problèmes de gestion du milieu, la gestion forestière, les milieux qui ont évolué. Mais donc tout prélèvement supplémentaire sur le grand tétras, donc quand je dis supplémentaire, tout prélèvement illicite, puisque les prélèvements par les chasseurs sont extrêmement encadrés. Donc tout prélèvement supplémentaire entraîne des conséquences sur l'espèce et sa fragilisation. Quant à dire que nous réussirons à faire disparaître le braconnage, là, il ne faut pas rêver, il ne faut pas être innocent. Le vol, et le braconnage est un vol, le vol existe depuis que l'homme existe sur Terre, donc le braconnage existera tant qu'il y aura quelque chose à braconner. Le problème n'est pas de l'éradiquer, le problème, il est de le limiter à son strict minimum. Et je pense que les moyens qui sont en place aujourd'hui pourraient être plus importants, et nous en serions très contents, mais déjà permettent de limiter le braconnage à un niveau qui est en général acceptable. Quand il ne l'est plus, eh bien, c'est là où nous concentrons nos moyens. Bonjour, police de la chasse. Bonjour. Un contrôle de permis, s'il vous plaît. Ouais. Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage se sentent particulièrement investis de la défense de l'environnement en général et de la défense de la chasse en particulier, au péril de leur vie parfois, puisque nous avons eu 5 morts dans ces 20 dernières années et nous avons chaque année plus de 60 cas d'agression subis par nos agents. Donc ce n'est jamais, de toute façon, sans risque.